Si j'ouvre le dictionnaire sous vin, bah, les gens sont assez d'accord, c'est boisson issue de la fermentation du jus de raisin. Point. Le comptoir, hors série. Le vin naturel suisse. Les vins naturels, orange, sans sulfite, ouvrent de nouvelles perspectives. Couleurs, arômes, assemblages n'ont aucune limite. Ces quelques mots sont ceux que mon invité du jour a choisi pour définir sa vision du vin naturel. Sur les bords du lac de Bienne, entourée de ses vignes plantées sur d'abruptes coteaux, cette passionnée d'art semble avoir trouvé son moyen d'expression. Salut Anne-Claire. Salut. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben merci pour l'invitation. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Toi, tu as repris le domaine familial en 2016 avec une gamme déjà en place, il me semble. Tu me corriges si je me trompe. Oui, exactement. Quand est-ce que tu as commencé à faire du vin naturel? Alors, en 2017, j'ai commencé à faire mes premiers vins nature. J'avais commencé avec deux vins nature directs. C'était avec mon vieux Pinot Noir, donc un Pinot Noir nature, et puis Pinot Gris Orange, donc aussi un Pinot Gris en nature. Ok. Et qu'est-ce qui t'a poussé un petit peu à explorer ce type de vin? Donc c'est d'abord la biodynamie. Hein. Quand on travaille à la biodynamie à la vigne, on veut essayer de mettre le moins intrants possible, d'aller plus loin avec les méthodes naturelles qu'on a, les huiles essentielles, les tisanes, etc. Et puis la réflexion à la cave n'allait pas aussi loin. Mm-hmm. Si on utilise une technique de vinification plutôt classique. Et puis, on voulait aller au plus loin possible. Donc, de toute façon, avec la biodynamie, on est obligé à faire des fermentations spontanées, ouais, sans enzymes. Donc, du coup, on se dit, je fais déjà du vin quasi avec pas d'intrants. Comment le faire si on laisse le soufre et la filtration? Est-ce que tu peux juste repréciser pour les auditeurs et les auditrices qui ne comprendraient pas trop la fermentation spontanée? Oui, alors la fermentation spontanée, c'est avec les levures indigènes du raisin. Donc, je compare toujours au pain au levain. Donc, le pain au levain, il est fait avec son propre levain qui est fait. Et il faut plusieurs jours pour fermenter la pâte et ça donne tout un autre goût au pain. Donc, c'est aussi un vin quasi avec son levain à lui. Donc, ça donne quand même aussi un autre goût et c'est une toute autre manière de faire et de gérer les fermentations. Ouais. Ok. Tu as étudié l'histoire de l'art avant de reprendre le domaine familial? Tu as fait des études un petit peu dans l'art, il me semble? Exactement, ouais. J'ai fait un bachelor en histoire de l'art et sociologie. Donc, les arts, quoi. Les arts. Ça a l'air d'être assez présent, en fait, dans ton domaine, l'art. Est-ce qu'il y a des liens pour toi entre le vin et l'art, justement? Enfin, comment est-ce que d'un coup, tu as décidé de revenir travailler au domaine après des études d'art? Ouais, alors j'aime beaucoup l'art. Et j'ai aussi découvert ça pendant mes études, en approfondissant toute la culture qu'il y a derrière et tout ce qui s'exprime de la société à travers de l'art. Mm-hmm. Et puis pour moi, ça coulait un peu de soi d'intégrer ça aussi à mes vins, parce que créer un vin, c'est aussi quelque chose de très intuitif, quelque chose qui vient de l'intérieur, qui exprime un millésime, une personne, un vigneron, un raisin, et que c'est jamais la même chose de millésime en millésime. Donc je voyais des parallèles là. Mm-hmm. Mais ce n'était pas que je voulais apporter un bout d'art sur les bouteilles, c'était juste faire le lien avec la réflexion. Et spécialement aussi pour les vins nature, donc tu ne peux pas mettre une étiquette classique sur un vin nature, parce que sinon les gens ne vont plus rien comprendre. Mm-hmm. Parce que le vin nature, il n'a pas le goût d'un vin classique. Mm-hmm. Donc pour moi et aussi mon graphiste, on a vu qu'il fallait emballer ça d'une autre manière pour exprimer à travers l'étiquette, les textes et le vin. Après, il y a quand même des domaines un peu emblématiques. Je pense au Beaujolais, par exemple, où c'est des vignerons qui font du vin naturel depuis à peu près toujours. Et pour le coup, eux, ils ont leurs étiquettes classiques, quoi. Mais toi, tu penses que quand on essaye de rentrer sur le marché du vin naturel aujourd'hui, on a besoin d'une étiquette un peu qui se différencie? Ça dépend si on a une gamme complète, je pense, qui est en vin nature. Mais moi, comme j'ai deux gammes, j'ai une gamme en Déméter, en biodynamie, qui est un peu la gamme que mes parents, ils ont fait. Mm-hmm. Donc, c'est surtout les vins blancs et les vins rouges. Donc, je fais un pinot gris, un pinot noir, un chasselas, comme mes parents le faisaient. Ouais. Mais je le fais de manière biodynamique. Donc, mais ça reste la même gamme, avec une autre manière de les faire. Et puis, les vins nature, ça n'existait pas du tout sur le domaine. Mm-hmm. Donc, c'est pour les clients aussi qui sont habitués du domaine de montrer qu'il y a vraiment une différence au niveau du goût et du visuel. Ouais. Et tu fais partie du comité de l'association suisse Vin Nature, qui a été créée en 2021. Ouais. Est-ce que tu peux un petit peu nous en dire un petit peu plus sur,
sur l'association? Donc, on a créé une association pour rassembler en première ligne tous les vignerons qui font des vins nature en Suisse. Mm-hmm. Et aussi de créer une charte qu'on parle tous de la même chose. Ouais. Parce que ben, les vins nature, il n'y a pas de règles en général. Il y a une très bonne association, ou c'est un syndicat en France qui s'appelle Méthode Vins Nature, mm-hmm. Qui ont aussi des règles claires. Mais sinon, il existe très peu au niveau international. Donc, on voulait rassembler tout le monde pour dire, nous, on veut dire ce que c'est le vin nature en Suisse et mm-hmm. être l'exemple et réunir tout le monde pour qu'on puisse échanger et présenter le vin nature suisse à un niveau international et national. Ouais, ok. Et une des particularités de cette association, c'est qu'elle est la première au monde, si je ne me trompe pas, à se doter d'une fiche spécifique à la dégustation du vin naturel. Est-ce que tu peux un petit peu nous en parler? Pourquoi est-ce qu'on a créé cette fiche? Les vins naturels, ça ne se déguste pas comme d'autres vins? Ouais, alors non, pas du tout. Vu que c'est vraiment un autre goût, on s'est vraiment posé la question, vu qu'on veut présenter les vins nature aussi au niveau d'un festival. On a aussi analysé les vins nature ensemble avec Changin. Et puis, on a la professeure de l'analyse sensorielle de Changin qui est avec nous dans le comité. Et du coup, ça a coulé de soi aussi, encore une fois de plus, de créer une fiche mm-hmm. de dégustation pour les vins nature, vu qu'on voulait aussi les intégrer dans un concours. Oui. Des vins bio et concours des vins nature. Donc, il fallait savoir comment on veut déguster ces vins nature, parce qu'avec la fiche OIV classique, ben, chaque vin nature, il va avoir des trop mauvais points. Donc, on ne peut pas sortir des bons vins nature, vu que le nez, il reçoit beaucoup d'attention et beaucoup de points. Ouais. Donc là, on a changé le sens de la fiche, ouais. Où on a d'abord le visuel, comme tout le monde, mais le visuel, on ne va pas donner de points en plus ou de moins, vu ouais. que c'est trouble et que c'est normal que ça soit trouble. Donc on va goûter ton pinot et puis je te propose qu'on suive du coup la fiche. Comme ça, ouais. on peut donner un petit peu des points de repère aux auditeurs et aux auditrices. Ouais, du coup, est-ce que tu peux juste nous présenter le vin que tu nous as apporté aujourd'hui et qui est disponible au Stamm également? Ok, cool. Alors, c'est le Pinot vom Rapf Schiller 2021. Donc, c'est déjà un vin rouge que je trouve qui a presque déjà un petit peu vieilli pour un vin nature, mais c'est ouais. super cool de le retrouver ici. Donc, Pinot, c'est écrit avec S, donc c'est un Pinot noir et Pinot gris, parce mm-hmm. que c'est une très vieille parcelle où il y a les deux qui poussent ensemble. Okay. Donc, j'ai repris cette parcelle il y a 3 ans, et puis on s'est dit, bon, on va laisser ces mélanges. Mm-hmm. Donc, on va vinifier un vin rouge de la manière ancienne, avec très peu d'extraction, vinifié en foudre, sur le fruit, sur sa légèreté, ouais. en nature. Trop bien. Alors, je te propose qu'on le déguste du coup en suivant un petit peu cette fiche des dégustateurs. La fiche, elle demande un petit peu de déconstruction par rapport à la dégustation classique, en fait, cette fiche de dégustation de vin naturel. Je voulais le dire vas-y. Avant. Première chose, donc. On avait le visuel, mais ça va suivre par la bouche et non par le nez. Oui. Et on a vraiment l'intuition de prendre d'abord le nez et de l'évaluer d'abord le nez, puis après la bouche. Mais vu qu'au vin nature, le nez, souvent, il s'ouvre plus tard mm-hmm. ou que... Les vins nature, ils ont des odeurs qui ne sont peut-être pas très, très claires, très familiers ou des fois un petit peu bizarres. On a une mauvaise impression, puis on péjore la bouche. Et du coup, on le fait dans l'autre sens pour donner plus de points et de moins juger le vin sur peut-être sans première impression. Donc là, la visuelle de ce vin, il est quand même assez clair, mais il trouble quand même. Ouais, tu trouves? Ça va, je suis étonnée qu'il soit aussi clair, mais je pense que le trouble doit être au fond de la bouteille. C'est ça, ouais. Mais quand même, on lui donnera les points maximales. Allez, c'est bien parti. Et pourquoi est-ce que, en fait, un vin naturel peut être un petit peu trouble et c'est pas grave? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'en inquiéter? En fait, il n'est pas filtré, donc il est juste avec sa turbidité naturelle. Voilà. Voilà. Par rapport à un vin conventionnel, on va juste pas filtrer ces vins-là. Exactement. Ouais. Alors la bouche, elle est. Enfin, je trouve que c'est quand même. Enfin, il y a quand même beaucoup de finesse. C'est assez droit. Il y a des jolies amères. Un peu de tension. Et je trouve que effectivement, en fait, en bouche, il y a pas. On est bien, quoi. Il est très fin, très droit, très léger, très fruité. Ouais. Ouais. Et ouais, c'est bien exprimé avec des jolis amers, parce qu'il a des petits amers, mais je trouve que ça le rend vivant. Oui, tout à fait. Donc, ce qui est très important,
Aussi dans la dégustation des vins nature, bah, des fois, bah, y a des défauts qui ressortent, hein, parce que si on décrit d'un vin amer, c'est un défaut œnologique. Mm-hmm. Mais dans les vins nature, on ouvre un peu le spectre, mais qu'est-ce que c'est comme style d'amer? Est-ce que c'est un amer dérangeant? Est-ce que ça peut être un amer qui est bon? Bah, c'est pas, par exemple, dans les cocktails, il peut y avoir des trucs ultra amers qui sont super bons. Mm-hmm. Donc, on va regarder ce point négatif amer d'une manière plus globale sur le vin et aussi avoir la complexité de tous ces arômes qu'il y a. C'est clair, si on a que le amer qui reste, ben, ça va rester un défaut. Ouais. Mais s'il y a un peu d'amer qui se rajoute aux fruits, à la netteté, à la clarté du vin, ben, ça peut ramener un élément en plus. Ça veut dire que ça augmente la complexité du vin, donc ça reste quelque chose de très bon et de très vivant. Tout à fait. Donc, je trouve dans les vins nature, c'est vraiment toujours très important à regarder. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a plusieurs facettes du vin qui jouent ensemble, qui s'échangent, sans avoir qu'un seul arôme ou un seul goût qui domine? Du coup, bah, on peut peut-être se pencher sur le nez maintenant. Le vin, il a eu le temps aussi de s'ouvrir un petit peu. On l'a servi dans le verre un petit peu plus tôt. Je trouve qu'on retrouve, plus, je trouve pas qu'il y ait un décalage entre la bouche et le nez finalement sur ton vin. Non, là ça va vraiment, je dois dire. Ouais, c'est vraiment cool. Ça pourrait être le cas et ce serait pas grave. De nouveau, on répète, toujours goûter avant de sentir. Enfin, moi je trouve que l'exercice il est hyper intéressant, surtout quand on n'est pas dans un milieu professionnel. Si c'est juste pour se faire plaisir, voilà. Honnêtement, faut vraiment pas hésiter à faire comme ça. Ben là, dans le terme de niveau œnologique professionnel, on pourrait peut-être lui dire, ouais, il a une petite réduction au nez, mais c'est une petite allumette que œnologiquement, ouais, c'est un défaut du vin. Mais je trouve là encore, dans la complexité du vin, ça peut ramener un côté minéral, ça se rajoute aux fruits qu'il a aussi, ça se rajoute à la fraîcheur, donc ça ramène encore une fois de la complexité. Ça peut soutenir des arômes en fait aussi, hein, ouais. Trop bien. Après, moi, ce qui m'avait un peu fait tiquer sur cette fiche, bah, il y avait le léger CO2 aussi. Sur la fiche, c'est noté qu'on peut observer un léger CO2. Il ne faut pas hésiter à secouer la bouteille et faire sortir le gaz. C'est vrai que c'est souvent que j'entends des personnes qui sont un peu déçues de certains vins naturels. Ouais, mais en plus, il est pétillant, c'est bizarre. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu pourquoi parfois on peut avoir du CO2, pourquoi c'est pas grave et on peut l'enlever? Oui, alors le CO2, en fait, c'est un élément naturel dans le vin. Hein. Quand la levure, elle transforme le sucre en alcool, ben, elle fait du sucre, mais elle fait aussi du CO2. Donc, juste après de la fermentation, les vins, ils ont plein de CO2. C'est vraiment, ça mousse presque. Hein. C'est vraiment très, très moussant. Et c'est avec l'élevage après que le CO2 il sort. Mm-hmm. Et dans les vins traditionnels, on veut enlever le CO2 pour avoir quelque chose de rond, de lisse, de plus calme. Mm-hmm. Et ben, dans les vins nature, vu qu'on ne met pas de soufre, ben, on va essayer de préserver ce CO2 parce que le CO2, ben, ça protège de l'oxydation. Et vu qu'on ne met pas de soufre, ben, on a au moins le CO2 qui, ou des tanins, ou la couleur, ou la structure du vin qui protège le vin de l'oxydation. Voilà, ouais. Donc c'est essentiel d'en avoir dans les vins nature. Ouais. C'est vraiment un conservateur, je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est aussi un conservateur naturel, quoi. Trop chouette. Et puis, il y avait encore deux derniers critères, moi, qui m'intéressent sur cette fiche. Quand on décrit l'aspect général du vin, il faut évaluer l'aspect goulayant. Et puis, également, l'émotion procurée par le vin. C'est quelque chose, notamment l'émotion, on ne retrouve pas sur des fiches de dégustation classiques. C'est quoi un vin d'émotion? Ben, l'émotion, c'est ce qui te fait quand tu bois ce vin, le moment où ça va te marquer. Et puis je trouve que c'est vraiment très cool et très progressif de pouvoir évaluer cette émotion, parce que dans le vin, l'émotion, ça fait tout. Parce qu'on ne va jamais boire un vin sans émotion. Donc si on a une émotion très positive du vin, ben, on va l'aimer encore beaucoup plus. C'est sûr. Donc, c'est l'ambiance, c'est l'émotion, c'est j'aime, j'aime pas, ça me fait plaisir. Donc, des fois, il y a des choses, on peut dire, mais j'aime, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, on a le droit de mettre des points sur cette émotion-là. Mm-hmm. Parce que c'est quelque chose qui ne s'évalue pas objectivement. Mm-hmm. Eh bien, écoute, Anne-Claire, je te remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'au Stam. Je remercie aussi nos auditeurs et nos auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je vous donne rendez-vous au Stam pour déguster nos sélections de vins naturels et tous les lundis sur Coca pour découvrir de nouveaux domaines. Merci Anne-Claire, à bientôt. Merci à toi.